Ce jeu est juste une dinguerie, c'est génial. Je trouve que le paysage vidéoludique a beaucoup changé dans son paradigme de game design. Et s'il fallait ressortir un jeu vidéo maintenant, ce serait lequel? Pour moi, du coup, c'est Monster Hunter Wild, suite de la licence Monster Hunter. J'ai pu déjà la tester, c'est très costaud. Ça serait Civilization, on l'attend avec impatience, ouais, là. Moi j'ai très hâte de la suite de The Witcher, le 4 a été annoncé mais on n'a pas beaucoup d'infos. Bah, Life is Strange, c'est le jeu que j'attends le plus. Moi j'avoue je suis un grand fan de Life is Strange. Incroyable, bangers. Mais moi vraiment mon préféré c'était le 2. Si on pourrait retrouver un Halo aussi, ça pourrait être sympa, ouais, les vieux jeux qui reviendraient. Alors on sort quand même un peu sur la nostalgie dans les jeux vidéo, est-ce que les studios sont pas frileux de l'originalité? Ça on a vu ça avec Battlefield où ils reprenaient toujours le même concept en voulant rénover et puis les vieux concepts restaient les meilleurs. La nostalgie peut être une bonne chose, hein, Astro Bot qui est sorti très récemment est un jeu fabuleux par son côté nostalgique. Quand il y a des basiques, il faut mieux, vaut mieux les respecter. En mon sens, il n'y a pas de nouveauté de nouveauté, on s'inspire toujours de certaines choses. Je sais pas si on peut dire que la nouveauté déjà est nouvelle en fait, mais on s'inspire toujours de choses. Bah, c'est sûr que dans le jeu vidéo actuellement, il y a un manque de prise de risque. Arriver avec une nouvelle propriété intellectuelle, c'est toujours un danger en fait. Pour autant, je trouve que c'est une bonne chose aussi de revoir ressortir des anciens opus au goût du jour. Je pense que pour les gens qui ont soif de nouveauté, qu'on trouve pas forcément chez les gros éditeurs ou gros studios, bah, qu'ils aillent voir des jeux indés, ils étancheront jamais leur soif.